Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 23 février et il fait un vent de saut. Voilà, donc une journée à rester à la maison bien au chaud. Je vous montre ici le petit flyer pour le vide-grenier d'Annezin. Donc c'est près de Béthune. Donc c'est dimanche prochain, donc dans une semaine. Donc dans une semaine, je serai là-bas avec mes petites affaires. Voilà, donc là vous voyez, c'est la salle des sports Armand Druon. Voilà, donc je serai installée avec mon chéri qui lui va vendre des pièces mécaniques. Et moi, il y aura du scrap, il y aura des vêtements, et puis des puzzles, faut pas que je les oublie. Des vernis à ongles, enfin, plein de petites choses très intéressantes. Sur ce, on est là pour le hall action, parce que j'y suis allée hier après-midi. Vite fait, hein, très très vite fait. Donc, un truc, le premier. Voilà, ce sont des chiffres et des symboles mathématiques. Donc là, c'est vraiment la nouvelle collection. Vous voyez, hop, désolé, je tiens la main aujourd'hui de la caméra, enfin le téléphone. Donc l'arrière-plan avec des fleurs noires et blanches, du faux bois et le rectangle rose marqué clear stamp. Je précise, puisque en fait, moi j'ai galéré. J'arrive là-bas, je suis mince, il n'y a rien. J'ai quand même vérifié dans tout le tome mélangé là à Béthune. Et c'était bien dedans. Donc là, ici, avec les petites enveloppes, la lanterne, elle est trop trop jolie celle-là. Encore une enveloppe. Enfin, voilà. Plein de belles choses. Le petit diamant aussi sympa. Donc là, ils sont tous à 79 centimes. La plaquette. Ici, étoile de mer, une encre, une bouteille, des coquillages et une liasse de fil. C'était sympa, j'hésitais, mais je me dis, on sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai une photo de moi en train de boire un cocktail sans alcool, parce que j'aime pas l'alcool. J'aime que le vin blanc. Voilà. Allez, je passe à l'avant-dernière. Celle-ci est vraiment pas mal. Elle ressemble. Il y avait une collection comme ça de silhouettes très très longues chez Stampin' Up il y a, mon Dieu, plusieurs années. Et je ne sais même pas si on l'a eu, c'était peut-être seulement aux États-Unis. Je me souviens plus. Enfin, bref, ça comblera, ça ressemble. Et le dernier, puisque c'est une collection de 6, vous avez des textes en anglais, mais que l'on peut mettre en. Ce ne sont pas des vœux classiques. Ce sont vraiment des textes. Bah, vous voyez, il suffit de lire. Pour le scrap et les mini-albums. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que les trucs, joyeux anniversaire, tout ça, c'est bon. On j'ai ce qu'il faut. Sur ce. Ah oui, non, pas sur ce. Il y en a encore un. J'ai craqué sur ça. Voilà. C'était le blanc qui m'intéressait le plus, mais bon, les trucs l'or et même les alphabets sont sympathiques. Donc voilà. Donc là, c'était 99 centimes le lot de 4 washi tape. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Moi, je m'occupe avec l'esprit scrapbooking numéro 22. Je vais vous faire un mini-album. Il faut que je calcule tout. Parce que c'est du 100% action selon les consignes. Donc la vidéo sera en ligne cette semaine. Je vais essayer de le faire aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à me suivre et à regarder les anciennes vidéos pour savoir de quoi je parle. Sur ce, je vous dis bon dimanche, bon week-end et puis à très bientôt!